Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 7. Alors dans cette semaine, enfin dans cette vidéo, il y a eu un défi cette semaine qui est très spécial parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus. C'est de chercher entre 3 chalets de ski. D'habitude c'est 3 autres objets, enfin 3 lieux, et au milieu de ces 3 emplacements, normalement il y a une étoile qui vous donne un palier complet. Alors j'ai l'impression qu'ils ont remis ce défi à jour, que peut-être ils vont le remettre chaque semaine, je n'en sais rien, peut-être ou peut-être pas. Mais ce serait pas mal, parce que moi j'aimais bien ce genre de défi. Mais là, il y a une petite différence, c'est que d'habitude, dans le temps, quand ils mettaient un défi comme ça, eh bien ça nous donnait un palier complet. Et là, ça nous donne que 5 étoiles, donc un demi-palier. Mais bon, il y a toujours l'étoile de la semaine 3 qui va arriver, donc une semaine sur deux, on a une étoile gratuite qui se trouve dans les défis du poste de combat de Grand Froid. Donc une semaine sur deux, il y a une étoile secrète qui donne, elle, un palier complet. Donc ça, je vous ferai la présentation plus tard quand j'aurai fini les défis, si je l'ai fini avant Johnny, bien sûr, mais ça, je pense pas. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je voulais juste vous toucher un mot, disant que, bah voilà, ils ont remis leur petit truc d'actualité, chercher entre 3 chalets de ski, donc ça, c'est cool. Alors maintenant, je vais vous montrer l'emplacement de ces 3 chalets de ski, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on débloque, parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit une étoile, parce que je n'ai pas encore réalisé le défi, donc je ne suis pas du tout sûr que ce soit une étoile, mais on va vérifier ça ensemble, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'est parti les mecs. Alors, normalement, les 3 chalets doivent se trouver près d'ici. Attendez, je cherche. Voilà, les 3 chalets sont là. Donc là, il y en a 1, 2 et 3. Donc logiquement, ils se trouvent en plein milieu, donc le plein milieu, ce serait par ici. Mais dans le temps, en fait, ils mettaient une petite tâche. C'était une petite tache d'air, comme ça, une petite tache brune. Comme ça, on pouvait se repérer. Ouais, là, je sais pas s'ils en ont mis une. Je pense qu'apparemment, ils en ont pas mis du tout. Ou alors la neige l'a recouverte. Mais je vais chercher un petit peu. Hein. Je vais chercher, je vais vous dire si je la trouve ou pas. Mais bon, les 3 chalets, c'est sûr, ils sont là. Et au milieu des 3 chalets, bah, ça doit être là. Donc, je vais chercher un petit peu et je vous tiens au courant. Alors, regardez, il y a un petit bonhomme là, ici. Est-ce que ce serait pas au milieu du petit bonhomme? Parce que regardez, ça fait 2 yeux, une bouche. Peut-être? Non? Ici? Ah, non, que dalle. Que dalle, que dalle. Attendez, je vais chercher autre part alors. En plus, avec mon petit skin Bambi là. Stylé. Oh putain, je l'ai trouvé les mecs. Je l'ai trouvé. Elle est juste ici, regardez. Alors là, je vais essayer de vous indiquer bien le point précis. Donc regardez. Mon curseur, il est juste ici. Donc c'est un peu plus bas que le chalet du milieu. Donc juste ici vraiment. Franchement, je vois pas vraiment de point de repère. Essayez de vous repérer avec le chalet là, le gros chalet et la petite cabane qui est là. Donc là, le type, il m'a pas encore vu, donc tant mieux. Je vais quand même aller le tuer, je sais pas. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit kit gratuit quand même. Regardez-moi ce Bambi, moi aussi je suis un Bambi. Oh putain, il s'est cassé, ok. Alors, surtout, très important, quand vous récupérez cette étoile qui se trouve près du chalet du milieu, hein, il ne faut pas quitter la partie. Il faut absolument vous suicider. Ou sinon, ça ne fonctionnera pas. En tous les cas, elle était très, très, très difficile à trouver parce que je pensais qu'elle était en plein milieu, en plein le centre. Puis après, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, il avait construit une construction. J'ai été voir un peu par là et puis c'était plus ou moins ici. Attendez, on peut peut-être apercevoir une petite tache, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas une petite tache là? Est-ce que cette tache, elle y était? Ouais, je pense qu'elle y était. Hein. Je pense que voilà, c'est ça la tâche. Il faut retrouver cette tâche là. Il me semble bien qu'il y avait une petite tâche. Voilà, c'est sûr, certain, c'est ça. Donc si vous voyez cette petite tâche, c'est sûr, elle est dessus les mecs. Donc voilà, alors quand vous avez fini, vous vous suicidez, vous vous laissez tuer par quelqu'un, hein. Ça c'est votre choix, vous faites top 1 bien sûr, mais il faut surtout pas quitter la game, parce que si vous quittez la game, ça ne validera pas votre étoile et vous allez devoir la récupérer. Donc voilà, là je me suis suicidé, je vais vous montrer que ça a bien validé mon défi. Donc ça c'est ce que j'ai débloqué parce que j'ai sûrement fini mon défi. Alors, ok, une tenue de Zenith, et là je vais dans défi semaine 3,
et chercher entre 3 chalets de ski difficiles validés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Yummy, 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 bruh.